Donc, aujourd'hui, on va faire une analyse un petit peu spéciale. Ça va être l'analyse du Steve de Shooton, qui a joué contre Zachary il y a peu au Japon. Et donc, oui, Shooton a pris pour la première fois Steve, donc, en tournoi en tout cas. Et on va voir pourquoi. Voici la raison pour laquelle Shooton a pris Steve. Regardez-moi ça. Donc c'est contre Zachary, là il a son Olimar. Tout va bien. La game est plutôt serrée. Je suis largement trop... Je suis trop en arrière. Voilà. On va mettre à partir de là. Ok. On va voir pourquoi Shooton a pris Steve. Ok, déjà, ok. Ce Fairbacker était très très stylé. Et là, petite phase. Down air. Voilà. Shooton, regardez Shooton quand il regarde Zachary. Petit tap sur le dos. Au revoir le Olimar. Bonjour le Steve. Et en plus, Zachary qui n'est pas sûr. Enfin, il était en pause, il jouait à Pokémon Unite. Du coup, il a pas non plus des tonnes de sets contre Steve. Je suppose qu'il a dû doser à fond contre Steve en freeplay peut-être, mais pas en bracket. Donc, on ne l'a pas vu jouer contre Steve. Et donc là, on va voir. Shooton qui va sortir Steve contre Zachary. Il a littéralement aucune expérience contre le perso. Shooton lui a littéralement donné des tips avant le set. Hop, va forcer à lui. Alors, ok. Donc le Steve va faire les up tilt, c'est normal, c'est Steve. Il essaye de punir les up tilt. Alors que normalement, t'es censé roll away d'après la vidéo qu'on avait vue. Ouf. Ok, donc il connaît les combos. Il sait quoi faire à peu près, on va dire. Ouais. C'est les phases classiques de Steve, on va dire. Bah, le désavantage, c'est vraiment quelque chose, ça, par contre. Hein. Genre, le down air en désavantage, juste tu te repositionnes, plus tu mets hitbox, plus si jamais... Il fait n'importe quoi. Il se le prend. Ok. Donc il a up smash auto shield, le nerf qui n'était pas en landing du coup. Enfin c'était un peu sur la tête donc forcément c'est pas aussi safe que si tu le fais vraiment au sol. Ok, les petits combos. Il a raté son... Allô ? Donc. Tu fais ton combo starter. Tu rates ton combo. Okay. Donc tu fais un side B pour te repositionner. Il est passé de... Combien ? Attends, c'est pas normal. Il est passé de 9 à 40. Allô ? Parce qu'il... Ah, juste, j'ai raté... Ah, mince, j'ai raté mon combo. Je vais faire un side B pour me repositionner. Oh ! Je te mets plus que le combo qui aurait dû être de base. Ben dis donc. Dis donc. Très bon personnage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc l'acto shield jab, c'est vraiment pas mal aussi. Faut faire gaffe parce qu'il a des auto shield, il a tout en fait. Il a même pas fait exprès, oui. C'est vrai qu'il a pas. C'était pas son intention. Le minecart n'était pas en bonne de. Je le fais pour le toucher. C'était vraiment en mode de bah, je suis en désavantage, je me repositionne. Alors Zachary qui a très très bien puni le minecart là par contre. Hop. Wow. Il a jamais joué le match-up, Zachary là. T'es sûr de toi? Il a littéralement fait la punition la plus parfaite que j'ai jamais vue de ma vie. Regardez ce qu'il vient de faire. Back air, il voit le minecart. Il se repositionne, mais il y a le down air qui vient, donc il se repositionne encore une fois. Et il back air après. Alors, soit c'est le plus grand génie de l'histoire de la Terre, soit il a vraiment déjà joué contre des Steve, soit il a fait ça sans vraiment savoir que c'était parfait, mais c'était parfait.
mais seul Zachary le sait. Hein. Croyez-moi que les... Ouais, j'ai jamais joué le perso ou j'ai jamais joué contre le perso. On les connaît. Hein. Ça veut juste dire qu'il a pas beaucoup joué, mais... Il n'y a que lui qui sait la vérité. Nous, on n'en sait rien. Ok, de la patience. Donc, c'est quand même fait bien. Je comprends pas. Est-ce qu'on a l'impression que là, Sacré s'est fait fumer? Genre, en tant que nombre d'interactions gagnées et perdues. Un peu, un tout petit peu. Il a pas l'air d'avoir gagné, mais on dirait que c'est even, plus ou moins. Regardez le résultat, je viens de voir. Il est en train de se faire deux stocks sales. J'ai même pas cramé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, dernier game. Deuxième game. Donc, alors comment il trouve ce up-tilt? On va faire une analyse un peu poussée. Là, on faisait plus de la react. Ok. Spot dodge, ouais. Up-tilt, up-tilt, up-tilt. Il a raté son combo, il a mis 56. Ok. Into, il se repositionne. Into, il rate un truc. Quand Steve rate un truc, il va juste retaper derrière au cas où, et ils ont complètement raison, et ça, c'est un scandale. Ok, là par contre, Zachary le laisse pas. Donc là, il est en train d'appliquer ce qui est censé être bien dans le match-up, c'est-à-dire tu le laisses pas miner tranquillement, tu le laisses pas faire ses trucs tranquilles, tu lui mets la pression. Parce que regardez le résultat, 62 à 15%. Puisque bah, forcément, le Steve sait que tu veux mettre la pression, donc il va mettre des anti-airs. Et même si tu bait, t'essayes de bait en mode de, oh voilà, là je t'ai fait un bait, donc je peux te punir maintenant. Bah non, c'est trop dur. Et là, juste Shouton a toutes les réponses. Donc là, en vrai, Shouton a juste bon partout. Mais c'est difficile d'avoir tort. C'est difficile d'avoir tort en tant que Steve, en fait. Ok, très bien vu. Et là, let's guard. Ouh, oh, il a fait un mix-up de fou, par contre, là, Shouton. Regardez-moi ça. Tac. Et là, ça n'a rien à voir avec Steve. C'est juste, c'était stylé. Il fait genre qu'il va en bas, puis en haut. Mais en fait, il y va plus tôt que prévu, puis il redescend. C'était stylé. Ouh. Le mieux en vrai c'est de se prendre ça, mais bon. Genre il fait pas très mal le minecart ici. Mais seulement quand il n'y a pas de d'or, on est d'accord. Ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle... Ah non! Non, d'abord c'est parce que d'abord il l'a balancé du kart avec le gun, du coup il n'était plus sur le kart, du coup il a fait moins mal, c'est ça? Ok, waouh. Ok, c'était une brique de fou là. Très stylé de la part de Zachary. Et le scandale. Donc certes, c'est bien joué de la part de Jordan. Mais quel personnage peut te tuer un Atto Shield qui a été touché, donc pas au-dessus de la tête. Donc là, il était certainement moins 7, le nerf. Moins 8. 94, tu meurs. Tous les Steve du monde vont faire ça au bout d'un moment. Enfin, c'est pas difficile. Si quelqu'un dit c'est difficile, il faut arrêter d'être d'élu. C'est pas dur. Puisque tous les Steve, même round 1, le font. Et bientôt, ils vont tous le faire constamment. Ok, bonne punition. Jab, jab. Là, on voit bien la SDI. Alors, Zachary, SDI in? Parce qu'il a vu qu'il était déjà in, du coup il a up in. Ou juste up. Je sais pas. On peut voir où SDI avec les tout petits trucs. Je vais essayer de faire pause. Voilà. Donc là vous voyez ici là. Ça veut dire qu'il a SDI in up. On voit ça, c'est les symboles de la SDI. Et la ligne bleue, c'est la symbole de la DI. Mais là, il n'y a pas de DI vu que ça ne met pas en tumble. C'est vrai que Shouton n'a pas fait de bloc et sa façon de gérer les ressources est très bizarre. Et pourtant. Et en plus, c'est vrai que Shouton aurait pu faire autrement et pas avancer comme un taureau et ça aurait pu quand même connecter. Hein. Donc là, c'est pas le counterplay. Faut pas croire que. Ah, le counterplay est facile. Non. Steve, juste, il peut s'adapter à ça. Ok. J'ai l'impression qu'il joue Steve avec les fondamentaux. Et là, c'est même pas un auto-shield. C'est juste, bah, je suis dans une situation un peu bourbier. Je saute, double saute, j'ai raté ma punition. Attends, attends, attends. Là, il voulait vraiment punir le landing. Oui, puisqu'il le fait. Ok.
Donc là, concrètement, ce qu'il voulait, c'était de le punir en troupe uniche, avec, comme tout à l'heure avec le Foustool down air. Et il fait littéralement le même input, donc ça a raté, entre guillemets. Mais en fait, ça rate pas, puisque dans la plupart des cas, même si tu rates, tu peux te faire avoir. Et non, il réacte pas du tout au F-Tilt, puisque le F-Tilt vient à peine de commencer. À moins qu'il ait un temps de réaction de 1 ms, ce qui n'existe pas. C'est littéralement juste, il voulait Foustool down air. Puisqu'il n'a pas de raison de faire autre chose, ça a pratiquement pas de risque. Le reward est juste insane et le risque est minime, même si tu rates. Même si tu rates. Donc ça, c'est les combos. T'as pas besoin de taffer le perso pour le faire. Ok. Et donc là, il a deux stocks. Ouais. Heureusement, le désavantage de Steve est mauvais. Mais il est trop fort en fait, juste à cause du down air et du side B. Sans le down air et sans le side B, qu'est-ce que ce serait nul? Wow, ok. La violence. Ok. Lui aussi voulait punir en auto shield, mais bon, dans tous les cas, c'est passé. Oh, c'est la fin? Ok. Alors, donc là, il a un diamant. Il a encore fait un down air. Est-ce que, comment était, quelle était l'intention de ce down air? J'ai vu une animation très bizarre, attends. Vous avez vu ce qui vient de se passer, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il vient de trouver un truc de malade? Allô? Il a air dodge cancel comme si c'était une spot dodge cancel de Terry en l'air. Ou j'ai mal vu. Ou c'est peut-être l'animation qui est bizarre. Ah, il a Foustool, la run animation. Ah, c'est pas une air dodge, mais c'est la même animation. Ok, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ces animations bizarres? Ah, c'est pas une air dodge, ça, c'est le Foustool. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait découvert un truc de malade. Ok, donc là il a juste Foustool, mais l'animation c'est pareil, c'est genre il est invincible, puisque le Foustool ça rend invincible pendant 3 frames, et il tourne comme si c'était une air dodge, et après il a down air. Ok, mais ça reste quand même un scandale. 68, attention, tu vas presque mourir. Prochain, tu es mort. Bah, fallait pas taper son shield. Ok. Ok, donc là, il a juste tapé dans le truc. Fer à 90, up smash, pas de tech, vu que c'est pas facile. Ok, ok, ok. Ok, dernier game. Je pense que le side B, ça peut être pas mal dans ce genre de situation. Qu'est-ce qu'il fait, Shooton? Il a pété un câble. Il grab et il up smash dans le neutral à 0. Ok, donc là, il y a quand même... Zachary qui est assez énervé, qui joue très bien, beaucoup de spacing, de bait, tac tac. Oh, mais il fait n'importe quoi dans les combos par contre. Ça se voit que c'est le. C'est ses débuts de Steve, on va dire. Hein. Donc ça, c'est le ça, c'est les débuts de Steve de Shooton. Hein, qui font 3-2 contre Zachary. Parce que là, clairement, même le Steve round 1 que j'ai rencontré à la SmashCon, il y a des trucs qui faisaient mieux. Genre, des trucs propres à Steve, il y a des trucs qui faisaient mieux. Mais son Steve en soi, bah, vu que c'est un joueur fort, il est fort déjà. Il arrive pas à poser les trois blocs d'affilée aussi. Ouais. Son Steve en roue libre marche mieux que son Olimar meilleur du monde. Après Askip, il a fait un tweet de fou, mais je sais pas c'était quoi. Il a tech le fer là, ouais. Tu peux le tech, c'est juste le timing est bizarre. Et c'est un reset, ça veut dire que tout à l'heure, il a gagné Shooton. Il a gagné 3-2 juste avant. Jusqu'à ce que Steve tape Zachary. Juste après le set avec Limar. Il avait plus de fer. Ok, ok. Il pouvait pas side B. Ok. Faut que je reconnaisse les fers, wood, stone, etc. Dans le... Ok, le fer, c'est les petits trucs blancs, c'est ça? Ouais, là, il en a plus. Là, il a que de la pierre, c'est ça?
Belle phase, alors on va voir. J'ai même pas vu. Ok, grab, upper, landing, upper. Oh, super stylé. Pendant ce temps, c'est even, alors que Shuton n'arrive pas à construire un mur. Let's go. Dès qu'il y a une installation Bourbier, c'est faire, faire, jab, 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 jab. Ok. Ouais, donc là, Joker, Zachary l'empêche de craft son diamant, il a complètement raison. Mais bon, ça, c'est pas comme si ça prenait 2 heures. Ça prend littéralement une demi-seconde. Ok. Donc là, il fait que de faire des backers, faire backer, faire backer. Ok. C'est vrai que son Steve est trop bizarre, je le comprends pas du tout. On dirait qu'il y a trop de situations, il dit, j'avoue, je sais pas quoi faire. Je vais spammer un truc fort avec Steve. J'ai l'impression que 80% des interactions, c'est ça. Oh, oh, c'était trop stylé. Le fer qui drag down. Ah, c'était pas... Ah, mais en fait, c'était pas stylé. C'est de la merde, fallait que ça connecte pour qu'il meure. Ça a pas connecté, du coup, il est pas mort, en fait. Juste parce qu'un drag down, c'est stylé, mais en fait, non. Ouf. Donc, ok, donc là, c'est l'histoire de... T'as raté. C'est pas grave. Et à quelques frames près, il le tuait. Il explose comme ça. Il a dit in, tu peux pas lui en vouloir. C'est une mauvaise DI, hein, mais bon. Comment tu peux dire, ah, un backer à 87, je ne dois pas dire in. Il a explosé. Bon, il serait pas mort avec une bonne DI. Hein. Le dernier tue Shieldpoke ou Break Shield. Il a explosé à 77. Ça, c'est vraiment... Tous les Steve vont faire ça. Hein. Side B, down air, back air. Et si le back air est touché, est-ce qu'on aurait dit... Ouais, le Steve a bien joué. DI away, il mourrait pas le Joker, ouais. Ou peut-être down. Allô ? Up tilt, fer. Le combo, c'est vraiment le plus facile du monde. Il passe à 66, d'accord. Waouh, ok, le petit dans les combos, le F smash qui va, qu'est-ce qui, pas tué, heureusement, à 110, yes. C'était peut-être pas le sweet spot, je sais pas trop. Il fait que des side B. Ah là, il a plus de ressources, là il est un peu dans la dèche. Ah bah non. Ok, là il va juste faire des fers, des backers, des side B jusqu'à ce qu'il meure. Donc il n'y a aucune raison de faire autre chose. Genre c'est ressources, fer, backer, side B jusqu'à ce qu'il meure. Et quand s'il shield trop, tu grabes. Voilà, le up smash il avait pas besoin. Là il n'y a plus de ressources par contre. Hein. Ok. Pourquoi il a fait un bleu? Ouais, et là il a de nouveau un diamant. Donc forcément il se protège. Pourquoi il y a eu un bug d'animation? Il n'y a pas eu l'animation du crafting? Ah là, il spam vraiment. Hein. Oh, ça c'était la mort s'il ratait à une seconde près. Oh. Ok, donc là il stresse un petit peu. Shooter, il est en mode faut absolument que je le tue. Il fait vraiment que des trucs un peu cramés, mais forts en soi. Et Zachary, oh là là, incroyable. Oh, le comeback de fou. Oh. Il a le seum, je crois, Zachary. Ah, il tenait quand même à avoir son check. Ok, Zachary qui a quand même joué incroyablement bien à la fin. Il a tout évité, tout. Et clairement, bah, il était à deux doigts de gagner, Shuton. Bon, en vrai, dans cette situation-là, il y avait rien de... Il y a plein de persos, ils ont juste à spam les backers pour tuer, on va pas se mentir. Mais le problème, c'est qu'il aurait pu faire la même chose à 80, ça aurait peut-être eu le même résultat. Zachary qui était très stressé et qui est très soulagé de gagner, ça se voit. Hein. Ce vieux perso, et je pense dans sa tête, il se dit mais son Steve il est trop nul et il fait 3-2 quand même. Parce que là, le Steve de Shuton peut être au moins 5 fois mieux que, meilleur que celui qu'on vient de voir. Hein. Donc, quand il sera prêt, ça va faire mal. En tout cas, voilà pour cette analyse un peu marrante dans certains aspects qui montre clairement que... Compliqué. Vraiment, je pense que tout le monde va commencer à traîner des Steve. Tous les persos, tous les gens qui aiment jouer Steve,
Jouez Steve, les gars. Vous allez faire des perfs de fou. Je maintiens que Joker fume Steve. Fume ? Doute. Ça peut être ok. Steve, peut-être. Mais fumer ? Jacques Rey joue pas bien le match-up. C'est pas comme si Shooton jouait bien le match-up et bien le perso. Donc là, on est bon. Zach Rey est plus fort aussi. Bon, dans tous les cas, merci. Merci d'être passé. Ultimate Frontier League, you work and come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Oh, show us your dazzling moves, grab